Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour une nouvelle carte aventure. Nous sommes sur une carte Find the Button, je vais devoir trouver le bouton dans chacun des décors pour passer au niveau suivant. Et nous sommes sur la carte Find the Button Unexpected, qu'on pourrait traduire par trouver le bouton inattendu. Donc une carte visiblement peut-être un peu différente des cartes que j'avais déjà pu faire, puisque j'avais déjà fait des cartes Find the Button avec à chaque fois un invité. Là, ce sera un peu plus posé, j'aurai le temps de chercher un petit peu le bouton, de réfléchir sûrement, parce que la carte me semble un peu plus originale et peut-être un peu plus basée également sur la réflexion, donc je pense que ça s'y porte mieux tout seul qu'en concurrence avec quelqu'un d'autre. Mais je vous invite tout de même à regarder mes autres Find the Button, notamment avec Super Brioche, où à chaque fois on faisait la course pour trouver le bouton en premier. Donc là, il faut que je trouve le bouton, visiblement, pour quitter cette salle et passer à la salle suivante. I am game developer, ouais. Et à chaque fois, voilà, on aura une petite pancarte d'indice. Il est là-haut. Il est là-haut, le bouton. Comment est-ce qu'on... Oula. Ok, bon, bah écoutez, j'ai atteint le bouton. Même pas eu besoin d'appuyer sur les indices, trop puissant. Voilà, j'appuierai sur aucune pancarte d'indice. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense qu'il fallait sauter pour atteindre le portail du dessus. Enfin, l'espèce de portail violet. Et ça a suffi, visiblement, pour passer au bouton. Et au niveau suivant... Ok, qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous voyez, lorsque j'appuie sur le levier, il y a le cube qui revient et qui réactionne le levier. Ça me fait penser à... Il y a une vidéo sur un objet, je crois, sur YouTube. En fait, vous actionnez l'objet et en fait, l'objet va lui-même s'éteindre. C'est un peu le même principe. Mais du coup, je crois qu'il y a le bouton derrière, là. Il y a un bouton, là. Mais attendez. C'est impossible! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Faut essayer de... J'arrive même pas à viser. Et pour vous dire... Je sais pas ce que c'est cette histoire, je n'arrive même pas à viser le bouton, genre la sensibilité. Je suis pas habitué à la sensibilité visiblement. Et j'ai du mal à appuyer sur le bouton, mais ça, je suis sûr que c'est pas ça, c'est pas possible. Je me fais troller là, c'était quoi ça? Non. Ok. Je me suis totalement fait troller par la carte, I like potatoes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les patates là? C'est quoi cette histoire? Bon, en fait, il fallait pas du tout appuyer sur le bouton derrière, il fallait appuyer sur le bouton contre le mur. Génial, génial, ça commence bien. Ça commence bien. C'est normal que le bouton d'indice soit gris, là? Parce qu'il me semble que c'est les boutons gris, non, qu'on cherche à... On cherche. Bon, attendez. On va quand même essayer de grimper en haut de l'arbre, voir s'il y a pas un petit bouton là-haut. Oh, bah si, regardez, il est là. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Je crois que je me suis encore fait TP. Pas possible ça, alors attendez, toc toc toc, je suis passé par là tout à l'heure, voilà, là le bouton est apparu. Ok, attendez, on va pas trop s'approcher. Ok, c'est bon. No you can have potato. Ouh, mais il y a des patates partout. Mais c'est trop cool cette carte. Je pense que c'est une histoire de rotation de ce truc là. Ah, c'est quoi ça? Alors... Oh 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 oh. Visiblement il y a un passage secret ici avec plein de boutons. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait tourner la patate que j'ai découvert ce passage secret. Bon, aucun des boutons ne semble le bon. Peut-être qu'il y a un autre passage secret si je fais tourner encore la patate, je sais pas. Il y avait... Est-ce que c'est ça qui a fait apparaître le passage secret? Je sais pas, je sais qu'on peut associer une action à ces trucs là. À ces item frames. Ah mais attendez, il y en a peut-être un là aussi, le bouton. J'y vois rien là, il y a un truc là ou pas? Alors s'il y a un bouton caché ici, je le vois pas du tout. Ah, il y en avait un visiblement, j'ai appuyé dessus, ça a pas marché. Donc ce n'est pas celui-là non plus. Bon, j'ai l'impression que ce n'est aucun des boutons ici. On va essayer de faire tourner des item frames un peu au hasard. Voir si on arrive à déclencher quelque chose. Oh là là, ça va prendre du temps. Toutes ces patates! Tournez patates, tournez! Faites-moi apparaître un bouton. Allez. Non, 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 toujours pas, toujours pas. J'ai pas l'air bête à faire tourner mes petites patates sur le mur, là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Allez, celle-là, elle a pas tourné, voilà. Non, celle-là. Ok, j'ai fait tourner toutes les patates. Est-ce que sur la maison, il y a un bouton? Non. Est-ce que si je fais tourner très vite celui-là? Attendez, il y a un bouton, là. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a aussi un bouton. Il y a des tonnes de boutons. Mais genre aucun des boutons n'est le bon, quoi. Ok.
Est-ce que ça... J'ai l'impression que ça n'a rien changé non plus ici. On est d'accord que j'avais déjà appuyé sur tous les boutons qui sont possibles. Ok. Bon, alors, entre faire tourner des patates et appuyer sur des faux boutons... C'est pas trop ça, visiblement. Est-ce que je vais être obligé d'appuyer sur le bouton astuce? Ah, ce serait triste. Je tente une dernière tentative en cassant les patates, en espérant que ça déclenche quelque chose. Vu que le mec aime bien les patates, je me dis que si je saute sur ses patates, il va peut-être me faire apparaître un bouton. Comme punition. Non? J'ai l'impression que ça n'a... Malheureusement... rien changé. Pourtant, il a dit que j'avais le droit de prendre des patates, là. Pourquoi j'ai pas le droit de les prendre, alors, au final? Oh! J'ai le droit de faire ça, moi? On va le faire. On va tout casser. Allez, on casse tout. On casse tout, les amis. Je sais pas si j'ai le droit de le faire. Mais je prends les patates. Eh, les petits bruits que ça fait, quoi. Pout, pout, pout. C'est trop bien. Je prends toutes les patates. J'aurais peut-être pas dû casser les cartes, mais c'est pas grave. Ok, ok, ok. Il en reste quelques-unes là-haut. Toc, toc. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du tout. Je casse tout! Laissez-moi sortir! Donnez-moi mon bouton! Il en reste quelques-uns là. Et franchement, s'il fallait pas casser ça, on est mal, hein. Ok, toujours pas de solution? Toujours pas de bouton? Non, et en bas? Non, rien n'a changé. Oh là 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 là. Ah! Le seul truc que j'avais pas essayé. Bon, j'ai pris l'indice, hein, forcément. Il fallait fermer la porte. Et bah oui, regardez. Oh là là là. Oh là 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 là. Ah, franchement, bien joué. Bien joué. Non, là, je dis bien joué. Vraiment, chapeau. J'avais pas pensé. J'ai pensé à tout. À tout ce qui était possible. Sauf à ouvrir la porte. Et vous fermez la porte, notamment. Donc, on va faire ça tout de suite. Déjà. Non, c'est pas le bon. Là, non plus. Ok. On va tourner ça. Alors, j'ai pas vu le petit message qu'il nous a mis lorsqu'on est arrivé ici. Ça aurait pu me servir d'indice, peut-être. Donc, pareil. Est-ce que je peux récolter ça? Est-ce que je peux sauter dessus pour récolter? Non. Est-ce que je peux aller dans la lave? Hein, on va essayer ça tout de suite, parce que souvent, c'est... Quoi? Quoi? Y'a pas de checkpoint? C'est une blague? Bon, bah, attendez, j'y retourne. Y'a pas de checkpoint! La blague! Just in case you don't like the potato. D'accord. Donc, le nom, du coup, c'était au cas où vous n'aimeriez pas... Les patates. Il y a un bouton là-haut. Donc je ne sais pas, mais il y a un bouton. Oui, je suis de retour, ma caméra a craché. Oh. What? Ok, bah écoutez, c'est comme ça. No potatoes, il n'y a pas de patates. Bon, je me suis envolé. Alors entre les téléportations et mon personnage qui s'envole, c'est de pire en pire. Régénération 3, mais j'ai de plus en plus de régénération. Je regarde mon inventaire à chaque fois, au cas où. Donc on va... sauter un peu partout. Alors là, c'est la première fois que je tombe sur une feuille de bouton comme ça. Une salle vide où il n'y a absolument rien. Et je suis censé trouver ma patate là-dedans, moi. Sérieusement. On va essayer d'appuyer sur tout ce qu'il y a sur le sol. Avec les deux clics, là j'appuie sur les deux clics. D'où le petit bruit que vous entendez. Hein. Je m'en excuse. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. J'essaie de passer la zone au peigne fin, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Là, il n'y a rien non plus. Faire des petits clics droits sur le mur. C'est quoi ça? J'ai l'impression d'être en prison, là. Là non plus. J'ai toujours absolument rien sur moi. Non, non, j'ai vraiment rien sur moi. Là-dessus non plus. Mais waouh! What, 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 what? Qu'est-ce que je suis censé faire? Faut peut-être regarder le soleil. Non, c'est pas ça non plus. Mais attendez, je suis bloqué dans une salle où il y a rien. Il y a que dalle dans cette salle. Et je suis censé trouver un bouton là. Là, je suis censé trouver un bouton. Le seul bouton qui y est, il est là. Trois petits points. Non mais attendez, c'est une blague. Il fallait appuyer sur ce bouton. Oups. J'avais mis la pancarte au mauvais endroit. Ah d'accord. En fait, c'était le bouton pour sortir. Oh, je me suis fait troll encore une fois, c'est pas possible. Alors, quel était le message secret des patates?
What was the secret message from the potatoes? Le message secret, c'était... Why you know? Ok, non, c'était pas ça. Non! Mais qu'est-ce que, quel est le message secret des patates? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, moi? D'où il y a un message secret des patates? C'est quoi cette histoire? On m'a pas mis au courant, moi. Bon, on va dire que le message secret des patates, c'est... Hi! Oh! Des patates. Des patates, des patates, des patates, des patates dans tous les sens! Bon! Hey, non, franchement, c'est une drôle de carte. Je pense qu'on peut le dire déjà. C'est une drôle de carte, mais c'est une carte assez, assez cool. Franchement, j'ai bien aimé. Franchement, cette carte-là, j'ai bien aimé. J'ai bien fait de la faire seule, je pense, parce que ça aurait été un peu bizarre de la faire avec quelqu'un d'autre, parce que justement, c'est beaucoup de mise en scène et de gags et de réflexions. Et, mais franchement, c'est une très très bonne carte. Aussi bonne que ces patates, les amis. Manger des patates, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le moral. On se retrouvera, bah je crois qu'il y en a une deux de cette carte là, donc je vais peut-être la faire dans une nouvelle vidéo, ça peut être drôle. Donc on se retrouvera sûrement pour une nouvelle carte avec plein de patates dans tous les sens. Et d'ici là, eh bien portez-vous bien, ciao tout le monde.